Some pieces are back together now. What's your vision? Bonjour, wesh, salut, yo. Qu'y a-t-il pour votre service? Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons reparler de notre ami le Google Home avec deux nouvelles petites applications qui sont apparues dans l'application Assistant Google, exactement. Et comme d'habitude, je vous les fais découvrir. Alors, pour certains, ce sont des applications qui vont être utiles, pour d'autres, moins. Voilà, donc j'essaye de vous partager toutes les nouveautés que l'on rencontre sur notre petit Google Home. Salut, comment tu vas? Je vais bien, tout va bien. L'assistant en maillot de bain. Ok, donc apparemment Google Home est en forme, il est en maillot de bain et on va tout de suite lui demander de parler avec J-. Ok, je vous mets en contact avec J-. Bonjour, ici J-, le compteur de jours. Te souviens-tu comment m'utiliser? Non. Tu peux me poser des questions du même genre que « Dans combien de jours c'est Noël ?» ou encore « J-, combien avant le 14 juillet ?» Je fonctionne aussi avec les dates dans le passé. Tu peux donc me demander combien de jours depuis le 3 novembre 1992 par exemple. Combien de jours avant le 14 juillet ? J-95 avant le 14 juillet 2018. Tu peux me reposer une question ou me dire stop pour arrêter. Combien de jours avant le 12 juin? J-63 avant le 12 juin 2018. Combien de temps depuis le 3 juin 1966? J+18 1939 depuis le 3 juin 1966. Stop. Voilà, donc parler avec J- va vous permettre en fait de récupérer les jours restants pour telle ou telle date, même avec des dates antérieures. Vous pouvez donc sans problème demander à votre Google Home combien reste-t-il de jours par rapport à telle date. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à maintenant. Surtout, pensez bien à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche sous la vidéo et à partager la vidéo avec vos collègues. On va tout de suite passer à la deuxième étape. On va demander à notre Google Home de parler avec Horoscope du Journal des Femmes. Ok, je vous mets en contact avec Horoscope du Journal des Femmes. Bienvenue sur l'horoscope du Journal des Femmes, que voulez-vous? Horoscope du Bélier. Voici votre horoscope amour du jour pour le signe du Bélier. En amour, votre goût de la volupté risque d'être plus fort que votre besoin de sécurité et pour quelques moments de plaisir, vous risquez de... Voulez-vous un autre horoscope? Menu aide. Pardon, que souhaitez-vous? Que puis-je dire? Demandez-moi votre horoscope en disant « Je voudrais être horoscope du » suivi par votre signe astrologique pour le jour, la semaine ou le mois. Vous pouvez également préciser si vous souhaitez votre horoscope au sujet de l'amour, l'argent, la santé ou le travail. Enfin, il est important de préciser que je dispose de l'horoscope zodiacal et chinois. Que désirez-vous? Voilà pour l'application Parler avec Horoscope du Journal des Femmes. Une application très sympa et comme vous l'avez entendu, très complète. On peut avoir différents horoscopes chinois, etc. Donc profitez-en. Si vous avez envie d'avoir l'horoscope dès le matin, ce qui va vous arriver dans la journée, pensez donc à l'horoscope du Journal des Femmes qui est vraiment super bien faite. On va passer à la troisième application qui est donc Parler avec Invest in Reims. Ok, je vous mets en contact avec Invest in Reims. Bonjour et bienvenue sur l'assistant vocal d'Invest in Reims. Je vous écoute, posez-moi votre question. Combien y a-t-il d'habitants à Reims? La population du pôle métropolitain de Reims est de 1,1 million d'habitants et 450 000 actifs. Le Grand Reims se compose de 300 000 habitants. Avez-vous une autre question? Reims est l'un des principaux pôles banque et assurance en France. De nombreux acteurs nationaux et internationaux ont fait le choix de s'installer à Reims comme Ener, Siassi Saint-Honoré, Allianz, AG2R ou encore Natixis. Téléphone la mairie de Reims.
Arnaud Robinet est le maire de Reims depuis le 30 mars 2014. Catherine Vautrin est la présidente du Grand Reims, la communauté urbaine constituée de 143 communes autour de Reims. Voilà, donc comme vous voyez, l'application Invest in Reims peut vous aider à connaître tout sur Reims. D'ailleurs, grand bonjour à toutes les personnes qui habitent Reims. Si quelques-unes regardent cette vidéo, vous allez donc tout connaître sur Reims grâce à cette application. On peut voir que notre Google Home s'améliore de jour en jour avec différentes applications. Certes, pour certains, certaines applications ne vont servir à rien. Pour d'autres, elles leur serviront. Donc, partageons tout ce qui peut être accessible aux personnes en situation de handicap grâce au Google Home, car c'est lui qui va nous aider à faire beaucoup de tâches, à connaître beaucoup de choses, sans vraiment toucher à l'appareil, sans vraiment avoir besoin d'ordinateur, sans vraiment avoir besoin à faire grand-chose. C'est énorme comme appareil, c'est pour cela que je vous présente toutes ces vidéos. Aujourd'hui, il y a plus d'une quinzaine de vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. On va tout de suite donc passer à une nouvelle application qui va être tout de suite, on va la voir, parler avec Fait Technologique. Ok, je vous mets en contact avec Fait Technologique. Salut, bienvenue sur TechFact. Voulez-vous entendre un fait ? Oui. Depuis 2008, les jeux vidéo ont plus de DVD chaque année. Salut, bienvenue sur TechFact. Voulez-vous entendre un fait ? Oui. La Sony PlayStation 4 a été lancée le 29 novembre 2013 en Europe et en Australie 2 semaines après son lancement en Amérique du Nord. Voilà, donc l'application Fait Technologique vous permet d'avoir des dates, d'avoir des renseignements sur les derniers faits accomplis au niveau de la technologie. C'est vraiment super intéressant. Donc, un moment dans la journée, si vous vous ennuyez, vous pouvez demander à votre Google Home un petit fait technologique. Ça va vous apprendre, ça va vous donner des informations sur les derniers faits, sur la nouvelle technologie. On peut vraiment remercier notre Google Home. Je vous ferai donc une prochaine vidéo sur les nouvelles mise à jour sur le Google Home. J'ai d'ailleurs lu il n'y a pas très longtemps une très grande nouvelle sur la prochaine mise à jour où on va pouvoir faire lire nos emails à notre Google Home. Ça va être terrible et je vous promets que dès que cette mise à jour apparaît, je vous en ferai la démonstration. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez bien à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications en temps réel. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Certainement, la mise à jour dont le Google Home va nous lire nos emails. À bientôt. Salut à tous.